Maurice Maxi. Salut à tous, c'est Maurice Maxi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, ce sera la découverte de Final Fantasy XV. Alors, actuellement, il est toujours pas sorti. On a accès à une démo test quand on achète le Final Fantasy Type 0 HD. Donc, ils vous fournissent directement un code à rentrer sur le Play Store. Et on peut essayer la démo de Final Fantasy XV. Alors, en théorie, il sort novembre ou décembre 2015. Donc il faudra attendre encore un petit peu pour avoir accès au jeu complet. Alors, on va le tester de suite, ensemble. Alors, après toute une vie passée au milieu des gratte-ciels de la capitale, il est inévitable que la nature s'étende à perte de vue sous les yeux distraits de quatre jeunes gens. En quittant le bitume de la route pour suivre le mouchement de terre, ils entendent un jaillissement sourd de leur voiture au moment où ils rendent l'âme. Le chemin vers Titan, le géant de pierre qui sommeille au cœur des terres incandescentes du disque de Cotes, promet d'être long et ardu. Pour l'instant, le groupe doit trouver un moyen de récupérer son véhicule. Alors déjà, je peux vous garantir que la qualité, elle est énorme. C'est vraiment différent par rapport à la PS3. Alors, des vidéos sur Final Fantasy Type 0, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse. J'ai commencé à y jouer il y a peut-être 2 semaines. C'est totalement différent des Final Fantasy que je connaissais avant, étant donné que je suis un grand fan des Final, que j'ai commencé à partir du Final 7. Après le 8, 9, 10, 10, 2, le 11, je ne l'ai pas fait, il est en ligne, 12, 13, 13, 2, Lightning Return, le 14, All Real Reborn en ligne, je l'ai fait. Le Final Fantasy Type 0, j'ai commencé il y a 2 semaines, et là le 15, on va le faire en même temps que vous. Alors pendant les cinématiques, je me tais. Qui motive à se lever. Daijina kuruma o kowashi shimatta yatsu dare da? Mattaku. Dare darou ne? Ah, mou honto gomen nasai. Wazato ja nai ndatte. Sou da na. Wazato nara daimondai da. J'ai préféré le mettre en vocal japonais, au moins c'est plus dans la version originale. おい、起きろ。目くそ。揺れてる。叩きすぎ。俺はタイタンかよ。おはよう、ノクト。目あげろ。起きたな。そうでもない。 行かなくていいのか？修理代を用意してカーテスの大皿に。しっかりしろよ、王子。巨神様のお膝元までもう一踏ん張りだ。俺も天気はどうかな。うわ、超晴れてる。 Je sens que le paysage il va super beau. 絶好の徒歩日和みたいだな。え、レフトフェニアス。あ、ラヴァッシュ。あ、c'est super。
Je sens que ce jeu-là va être très bien. Alors, acheter une conduite, économiser 24 000 gis pour payer la réparation de la voiture. Vous venez de recevoir un point d'exclamation. Quête principale. Les quêtes commencent souvent suite aux suggestions de vos compagnons. Alors, là, moi je joue Noctis. Nous avions Gladiolus, Inis et Prompto. C'est suivi le conducteur de l'histoire, examiner le panneau indiqué au repère objectif pour progresser. Bon bah de toute façon, c'est là-bas. Ok, oui, pour la caméra, déplacer le personnage, logique. Est-ce qu'on peut courir? Non, là on peut que marcher. Attends, c'est joli hein. La qualité elle est énorme. Nocto. C'est une bête qui mange, qui voit ça. Ah, ok, je peux cibler l'objectif avec triangle. Toujours propre pour examiner. Oh là, un behemoth, ouais. Oh non, ils vont pas vouloir que j'aille tuer un behemoth. Généralement, c'est censé être une bête assez forte. Je vous propose un petit entraînement. Bah oui. Alors, le mode offensif et le mode défensif. Ok. Alors, pour combattre efficacement, vous devez apprendre à attaquer et à vous défendre au bon moment. L1, mode défensif, permet d'esquiver les attaques automatiquement en dépensant des points de magie. J'ai appuyé sur L1. Vous pouvez esquiver sans fonctionner si vous utilisez le mode défensif juste avant qu'un ennemi vous touche. En train de vous esquiver les coups de Gladiolus. Ok. D'accord. Ok. Ah d'accord, en restant appuyé, j'esquive tout seul. D'accord. Ah bah merde, je pensais pas qu'il allait attaquer. Allez. Ah non, c'est vrai, il faut que j'appuie. Ah la vache. Allez, vas-y, attaque. Voilà. En invoquant des armes, pas mal. Car le mode offensif vous permet d'attaquer au coup par coup, de faire une série d'attaques en maintenant la touche appuyée. Entraînez-vous à décerner différents types d'attaques en complément du Gladiolus. Attends, je suis jamais arrivé à l'action. Vous pouvez aussi effectuer des mouvements différents en inclinant tout en attaquant. Ah ouais, c'est pas mal ça. En fonction de la situation. Allez, d'accord. Je mets une petite balle en paix. Alors qu'est-ce qu'il va hein? Éclipse et compétences. Ah. Noctis peut utiliser différentes aptitudes en dépensant des points de magie.
Eglip lui permet de se téléporter en projetant son épée. Utilisez ce pouvoir pour vous dépasser vers le pylône. Oh, pas mal! Vous pouvez les PM à vraiment frapper de manque quand vous êtes en hauteur. Ah, c'est pas mal ça! R1, cibler, assoli. Oh, ça va être pas mal ça! Faites un R1 et croix à ce eclipse qu'on vous rapproche rapidement d'un adversaire. Bon, par contre, c'est ce qu'il faut que j'arrive à. Nous allons dépenser des points de magie pour utiliser les compétences. Afficher en bas que je devais prendre, que vous pouvez changer avec le gaucher et droite. Entraînez-vous, utilisez quelques-unes. Ok. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, mais. Tomber en état de PM épuisé. Vous ne pouvez pas poursuivre ni utiliser les compétences. Ah, ça c'est pas mal. Ça va rendre le combat un peu plus dur. Vous pouvez accéder à la génération des PM en utilisant l'action contextuelle L1. Couverture près d'un obstacle ou l'action pour aller se parler en hauteur. Gérez vos PM judicieusement afin d'éviter de retrouver à court quand vous en avez le plus besoin. Comptez le juste en utilisant à ce clips et les compétences. Merde. Allez, c'est parti. Ah, les parades, ok. Contre certaines attaques indiquées par une marque lumineuse, vous pouvez vous mettre en L1 garde au lieu d'esquiver. Après vous êtes mis en garde L1, vous pouvez faire une parade en appuyant au bon moment. Ah bah c'est comme le shoot avec le Ranzo Kuken. Suivi d'une contre-attaque donc, en fonction de l'adversaire. Ok, non, je reste appuyé. Allez, charge. Voilà. Oh, ça va être pas mal ça. Allez, vas-y, viens là. Bah, j'étais en L1 là. Ah, ok, c'est marché en bas. Alors il faut que j'appuie. Enfin, c'est pas que rond. Voilà. Faut que je pense appuyer sur L1 quand j'esquive. Changement d'arme. Ah. Chaque arme qui utilise Noctis a ses spécificités. Par exemple, les épées à une main permettent d'organiser plus de PM et les épées à deux mains permettent d'infliger plus de dégâts. Ce qui est logique. Le style de combat varie grandement en fonction des armes assignées à chaque situation d'attaque, assaut, enchaînement, exécution, riposte et coup sauté. Accédez au menu des armes en appuyant sur le pad, puis choisissez l'action entraînement. Lancer de vouivre. Donc on va regarder un peu. Ah d'accord, les objets c'est là, ok. Alors. C'est pas mal, ça. Ah, qu'est-ce qu'elle est bien cette interface là. Ah, j'adore. Ah, mais il n'y a pas les caractéristiques. Et puis à demain, machin. Ah non, ça c'est les.
Karak, d'accord. Ouais, non, j'en ai pas encore, et ça, ça, à tous les coups, c'est les invocations. C'est même obligé. Ah, je peux même monter en hauteur. Du moins sur les rochers, je veux dire. Maintenant les bases du combat. D'accord. Oh, je sens qu'il va être bien ce jeu-là. Allez. Maintenant, affronter Gladius dans un combat amical en mettant en profit tout ce que vous venez d'apprendre. D'accord. Ah merde, j'ai attaqué au mauvais moment. La peine épuisée, ok. Là. Ah voilà. Impeccable. Il peut m'attaquer de là-haut? Non, même pas. On est parti. Oh, ce que j'allais lui mettre après. Vous pouvez dire le compagnon, on était deux manches appuyés sur quoi pas de lui retrouver ses forces. Attends, qu'est-ce que c'est bien ce jeu-là. Vous pouvez maintenant refaire des combats amicaux plus tard dans le campement. Maintenant, reprenez votre chasse au Behemoth. Le Behemoth, je vais me prendre une claque. C'est même sûr. Bon, attends. Pas besoin de le chercher. Dans le menu principal, ok. Peut-être pas m'attaquer à cette bébête là. Nanda, aïtsu. Toutetsu to yu monster. Et toi, tu. Ano seredoi kiba o emono ni tsukitate. Suana kara hikidashite taberu rashi. C'est une féroce qu'un acier doté de défense aiguisée. Il se joue des proies les plus lentes grâce à l'agilité. Sore sa, soto da ne. Seikakuteki ni kakawari taku ne no. On va essayer de se les faire. De toute façon, il y a pas mal de... Est-ce qu'on peut les prendre une par une? Je gère s'affiche en haut de l'écran qu'un ennemi vous a repéré lorsque les pleins de combat est engagé. La vitesse varie suivant l'ennemi. Allez. Pourquoi je peux pas sauter là-haut? Ah voilà. Il faut un petit temps pour... Oh la vache, qu'est-ce que c'est bien. Ah, oh, j'adore. Je sens que ce jeu-là, je vais faire pas mal de vidéos et pas mal de streams. Oh, des gros bisons. Ici. Ah ouais, c'est, bah, c'est la pancarte du BMO, je crois. Ouais. Ouais, 25 000 GS.
C'est quoi ça? Les garulas sont des pachydermes très répandus dans la région de Duskaé. Ils sont d'ordinaire paisibles mais attaquent en troupeau si on les menace. En troupeau? Voilà. En plus, il y en a des petits et des gros. Oh, je sens que ouais, c'est très dur, ouais. Ah merde, j'ai plus assez. Donc j'espère qu'il y a des compétences pour récupérer les pèves un peu plus vite. Alors, on va aller sur celui-là. On récupère pas d'objets, y'a rien du tout. Oh, c'est excellent. Vu ce que je vois. Ah. Ah, c'est quoi? Un pampa? Non. Pas là-dedans, je pense pas. Ah, c'est un poteau. Marquage Bellstar. Oh, ça sent des bébêtes. Diamant dans la vase, trouver la magilite dans le marquage d'Alstor. Ah, ça va être une quête annexe. Déjà, on va grimper un peu, on verra peut-être un peu mieux la carte. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'objectif principal ou. Couverture? La barre blanche. Ok. Bon, c'est de bête là, on peut pas. Par contre, là, ils sont un peu beaucoup. On va essayer de passer sans les attaquer. Hein. Ouais, parce que le gros là, avec les cornes, il m'avait l'air bien féroce. Ah oui, il est comme à celui-là. On va pas prendre de risque parce que je suis pas encore très épais et j'ai pas encore les techniques de combat bien en main. Dans les marécages, ça me plaît pas. Ah, c'est une empreinte. Des empreintes. Une empreinte sans doute laissée par le Behemoth semble se diriger vers la forêt. Je vais essayer un objectif dans le menu option, menu principal, pour pister le Behemoth. Objectif. Voilà. L'interface est super simple. C'est excellent. Les soldats Magitech sont des androïdes produits en masse par Niflheim. Ils font exploser leur générateur quand ils sont sur le point d'être vaincus. Allez, lâche. On va foncer dans les forêts pour pas se retrouver. Alors on ralentit qu'on est dans les broussailles.
entend des bruits étranges. Ah. Vous pouvez gagner des gisants en vendant dans le magasin ces objets verts dans la description. Contient l'icône des petites pièces. Écaille de dragon. D'accord. Voilà, je peux pas y aller. Attends, j'espère qu'il faut pas que je resélectionne. Ah, tiens, j'ai eu le bas. Ah, des cèpes, ok. Ah, bébête. Ouais, c'est celui-là. Voilà. Oh là là, comment je vais kiffer ce jeu-là. Les états bénéfiques du jour ont pris fin. Campez dans un sanctuaire si vous voulez en obtenir d'autres. D'accord. Tente avec lui. Campez au sanctuaire d'Ozas. Carte. Comment je fais pour activer la carte? Attends, déjà là. Campement. Ok. Attends, comment je fais pour. Attends, je suis là. C'est juste au-dessus. Il n'y a pas un moyen pour afficher la carte. Non. Perce puissante. Non, je sais pas. Il faudrait que je regarde un peu plus en détail. Attends, déjà, en continuant par là. Je vais par où? Ok. Objectif. Base. Campement. Sanctuaire. C'est sûr, ma droite. Oh, bah, c'est là. Oh, d'accord. Je pouvais toujours chercher. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Allez, là. Oh. Ah, par contre, c'est bien ça, tombe la nuit, t'as les lampes torches et tout. Ah, c'est bien ça. Tu peux avoir des effets de surprise. Voilà. Dormir permet d'assimiler l'XP accumulé pour augmenter le niveau du personnage. Dormir. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Ah, j'adore. Miam miam. À goût de Garola, en pleine forme, motivé et résistant. Ah, selon le plat qu'on mange, ça augmente des caracs. Alors, assimiler l'expérience. Ragout, ouais. Oh, c'est génial ça. Osez. Ah, j'ai pris pas mal quand même. Ah, ça va être dur d'attendre jusqu'en novembre. Ah, la petite musique de Final. Haha. Augmente l'attaque et la défense de 75%. Merde, j'ai pas eu le temps de tout lire.
souhaite partir en excursion. Voulez-vous l'accompagner? Il n'est pas possible de progresser dans la quête principale d'épisode que pendant cette excursion. Ouais. Allez. Alors, voyons voir. J'entends des bébêtes. Objectif rempli, tente avec vue, ok. Donc il y a un gros pot à ma chère là. Attends, là il y en a lag 2, on va essayer de se le faire. C'est parti. Trop court. Reste là. Enfin. Ça lui reste plus grand chose. Un dégât rouleur. Allez, en faisant ça, on revient en campement et on peut avoir de l'XP. Ok. Attention, excursion. On va se balader un peu. Ah, je peux pas sprinter? J'entends des bruits de pas. Ah, là-bas. Ah. Oh la vache. Une seule fois, ça suffit, hein. Un peu plus, merde. Allez, allez. Voilà. Je suis sûr qu'il doit y avoir des bêtes qui peuvent t'atteindre de là-haut. Là, je vais suivre un coup de main. C'est reparti. Ah, c'est bien ça pour aller les chercher. Ah merde. Mais non, mais. Non, mais je veux pas verrouiller la cible. Ah voilà. Non. Voilà. Ah, par contre, il faudra que je regarde vraiment ça, parce que c'est bizarre. Il en reste combien? 1, 2, 3. Ouais. Ça va aller vite. Ah, ça suffira. Bien. Bon, ça va, je me débrouille pas trop mal. Il y a encore des progrès à faire, mais c'est déjà pas mal. On va juste faire le tour du sentier là, et on va retourner au camp. Et après, c'est encore
les gros pots à mochère là. On va passer par là, voir si on trouve pas quelque chose par terre. Non, toi tu restes là. Oh, encore ? Et je veux pas le cibler, merde. Je ne veux pas verrouiller une cible. Attends, comment je suis pour annuler ? Non, c'est pas grave. Ah, il se... Il s'identifie directement sur le mob. Je regarde, c'est par rapport à quoi que je peux... Pop-off. Regarde ça dans les options. Options... Réglages. Vitesse de rotation. Je vais mettre ça tourne vite. Dialogue, non. Ouais. Oui, avec ça. Voilà. On va commencer à retourner au camp. Sans se faire encore surprendre. Tiens. Non, je dis, il faut se balader. Une petite plume. Donc, le campement est là. Non, c'est bon. Voilà. Ragout d'Aouer Pornis. Pornis. Attends, à chaque fois c'est cinématique là, ça me fait rigoler. J'ai pas de chocobo avec moi. Ou alors il a trouvé des chocobos sur le chemin. Et encore. Ragout d'Aouer Pornis. Waouh. Allez, plus un petit ragout. Forme et résistance. Putain, Noctis il prend bien. Bon, tu me diras, c'est aussi le niveau le plus faible. On l'attaque et la défense de 50%, le taux d'XP de 10% permet de ne plus subir d'altération d'état néfaste. Allez, ravite, Félias. Non. Abandonner les quêtes en cours pour rejoindre le reste du groupe. Ouais, on va essayer de voir pour le Behemoth. Je pense que ça sera intéressant. Voilà. Alors, non, c'était objectif, voilà. Quête. Cabana. Après la station service, ok. Trace du Behemoth. C'est parti. Alors, par là. 419, j'ai qu'un seul objectif, ouais. C'est parti. Ah, par contre, c'était bien à la tombée de la nuit, l'éclairage et tout, ça c'est vachement bien. C'est pas grave, on est 4 maintenant. Ah, tiens. Et une petite plume. Pour les altérations d'état néfastes. Par contre, c'est dommage qu'on peut pas interagir avec la zone, c'est sauter et trucs comme ça. Voilà, mais si les chemins sont...
Ah ça, perds pas trop de vie à descendre. Assez long de la fesse pour éviter de se faire attaquer. C'est bien parce qu'on entend vraiment le cri des bêtes qui sont aux alentours. On a vraiment l'impression d'être dedans. Et encore là, j'ai pas mis le son trop fort, mais ça va être vraiment intéressant qu'on monte le son. J'ai hâte qu'il sorte ce jeu là. Voilà. Ah. Voilà, il y a un BMW qui est passé par là, vu les branchages éclatés. Oula, il a dû tuer une bébête. Cep, on a des champignons. Il est où l'objectif? On essaie de grimper là-haut. Regardez un peu ce qui se passe. Et si on peut aller attaquer ces bêtes là? C'est quoi le truc là-haut jaune? Il y a une voiture. Non, objectif, non. Objectif c'est option, il faut que je me rappelle. Quête, trace du behemoth. C'est derrière moi. D'accord. Ah, c'est en hauteur, ok. Ça serait marrant, on descend une pente trop vite, on se roule la tronche par terre. Oh oh. Avec le peu de PM qui me restait. Attends, et ça marche derrière les forêts? Ouais, peut-être. Attends. Ouais, c'est mieux comme ça. De toute façon, ça va remonter tranquillement. Bon. Toujours qu'on aille par là. Alors, la carte. Carte, comment je peux faire pour esquiver? Ah oui, il faut que je fasse le tour par la gauche. Oh, des chocobos. Chocobos noirs. On va aller voir ça. Ah, c'est des chocobos. Ah, excellent. Yaruじゃねえか, Nocto. Sasuga. À tous les coups, il faut des légumes guillache pour les capturer. Légumes guillache, légumes guissal. Bon, l'objectif, il était où? Ah merde! Je l'ai encore perdu, il faut le sélectionner à chaque fois. Ouais, il faut le sélectionner à chaque fois. Ça, par contre, ça doit être chiant. Je serais bien tenté de regarder ce qu'il y a dans la faille là. Un petit chemin qui mène. Ça cache quelque chose. Ah. Ça y est, rien. Non, il se passe rien. Ah, j'aurais cru. Peut-être par la suite. Durant sur la vraie version du jeu. Il y aura quelque chose à faire.
je crois qu'il y avait des bébêtes. Paradis. À chaque fois que je vais m'approcher, quelqu'un qui va dire eh, vous voyez ce que je vois? Oh, il a fait ses griffes dessus, lui. Oh oh. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais me faire laminer. Encore 479. Allez, on. Là, je peux pas descendre. Oh. Ah ah, premier. Voilà. Voilà, merci d'être passé. Sans doute repasser par là. En fin de compte, j'ai fait le tour du rocher juste pour avoir des griffes. Il y aura des coups de griffes sur les rochers. J'entends des bruits suspects. Ouais, là. On va essayer de pas se faire voir. Si on peut, bien sûr. Bon, par moment, je crois que j'ai pas trop le choix. Ah, regardez, il y a des voitures là-bas. 25 000 gils, j'ai combien là 400 gils. Ah, bah, disons. Ah, est-ce que pas d'aller loin pour l'instant? Ah, un chocobo. Encore du sang? Ouais. On continue à descendre. Oh, j'avais une trace sombre là-bas, je savais pas ce que c'était. En fin de compte, j'aurais fait le tour de part et d'autre du gros rocher. Nocto, c'est quoi? C'est une écaille de dragon. Ah, ça va être les trucs pour revendre. Oh oh. Non, je suis là. Putain, mon frère, ils esquivent bien. Impeccable. C'est bien parce que même si on attaque beaucoup de monstres, ils peuvent nous bloquer le passage avec leurs cadavres parce que ça reste au sol. Il y a un campement là-bas. Bon, j'allais voir ça après. Ah bah tiens, impeccable, on peut redescendre par là. On va s'éveiller bientôt. Oh oh. Oh. Ça sent le behemoth. C'est intéressant. Oh, il y a du sang. Attends, je vais m'attaquer. Waouh. Je vais m'attaquer en plein centre des rochers. Ça va faire comme un enclos. L'entre du vivant est un endroit dangereux. Dormez si vous avez besoin pour reprendre des forces. Ah, qu'est-ce que c'est ? Une plume ? Oui, une petite plume. Euh...
Oh merde. Allez, cible. Je suis pris dans les arbres, je vois plus rien. Ah merde. Non, c'est bon. On va reprendre des forces. Bonus d'XP sur 79%. Sérieux, il y a de quoi faire. Non, à tous les coups, c'est par là. Oh, attends, je peux pas grimper là-haut, comme ça je verrai mieux. Peut-être voir le behemoth. Un cep. Ah, une petite plume. Ah, il commence à y avoir du brouillard. Je vais me méfier quand même. Regardez ce qu'il y a par là. Parce que si c'est des zones qu'on peut pas y accéder, bah tiens. Ah bah j'ai bien fait de venir. Ah, encore. Oula. Putain, je l'entends. Oh, je sens dans la... Oh la vache. Oh, 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 les réalistes. Blanc, mange quoi? Putain, tu vois pas la taille de la bestiole? Comment je vais faire? Je sais pas ce qu'il mange. C'est pas passé loin. Attends, mais ça fait aller où en fin de compte? Ouais. On a remarqué, on était bien prêt. Oh oh. Go! Ah,
Là, je commence à prendre le climat là. Pas bon. Non. Ah, par contre ça, je vais avoir un petit peu de mal. Ah ok, donc en fin de compte c'est ça qui... En espérant que... C'est bon. En fin de compte c'est la téléportation qui me fait... un peu d'MP, donc il y a rien. C'est bon, j'ai assez. Le 38 après, c'est tir 25 la téléportation. Oh la vache, je m'ai esquivé. Boum. Putain, ils vont vachement vite ces bandes de cons. Oh merde. Allez, crève. La vache. Hein? Bonus XP, pourquoi j'ai mis trop de temps? Bon. Monsieur Behemoth, il faut descendre. Non, c'est pas où qu'il fallait aller. Ah non, on redescend et on remonte, ok. Alors, j'espère que je vais avoir une intervention divine parce que. Pour aller coller ça. J'ai vu, il était juste à côté là. Putain, mais il va vite. J'ai même pas entendu vomir le sol. Ah, j'ai vu un truc. Ah, un coffre. Ah non, je crois que c'était un coffre. Ouais, comment on fait pour passer? Bah ouais, c'est par là, ouais. Ah ok. Ah rond, ok, je peux sauter. Ouais, il est juste là. Oh, c'est déjà la taille du machin. Tu vas mettre jusqu'à son entrée hein, sans vous faire repérer, sans le perdre de vue.
Bon, c'est vachement bien ça, le fait de mettre du brouillard pour suivre. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de combat avec des autres bébêtes ou sinon on va se faire opérer direct. Parce que s'il nous gaule ce con, on est pas. J'espère que le 15 va vraiment très long. Je vais en passer du temps sur ce jeu-là, je le sens. Ok, j'ai eu. Pourquoi je suis bloqué là? Ah ok. Putain, j'étais bloqué. Putain, il va tourner combien de temps ce con? Parce que là j'aurai rien pour me cacher. Je récupère des items en même temps. L'entre du Behemoth, passer entre les rochers pour aller dans les ruines. Allez. Ah, ça commence à devenir très intéressant là. C'est pas une petite démo de un quart d'heure. Otsukare-san. Ah, j'ai ma petite lampe torche là. Ça va créer. On serait à partir d'ici en cas d'échec. Ah, sauvegarde automatique, c'est bon ça. Pas besoin de chercher un cristal de sauvegarde. Ça éclaire bien le loupiote. Kochida. De la LED. Ah, il est là-bas. Éteignez-vous lumière, bande de cons. Ah ah. Alors que tu sers d'appât, Noctis, si risqué, mais on compte sur ta rapidité. Pour qu'il vous explique son plan. Faire exploser le réservoir quand le Behemoth en se rapproche et immobile.
D'accord. Gradio. Rappelle à mettre par surprise sur son flanc droit pour l'étourdir. Ok, donc lui avec les lunettes, c'est Nice. Ah, et puis on s'en plus. Attire les BME en sortant des portants et l'achever après l'explosion. Oh la vache. Merde, mais non, mais le tape pas, toi, grenouille. Non, j'ai réussi à avoir un behemoth. Il est pas mort. Je m'en serais douté. Je le savais, c'était trop simple. Essayez d'acquitter son sang-froid droit pour profiter du fait qu'il ne veut pas de ce côté. Ok. Ah non, je suis HS. Donc eux sont bas à zéro, passant le tête de dangerosation sur la réalité et les dégâts de PV max. Si vous PV sont tombés à zéro, c'est le game over. Utilisez potion dans la liste des objets pour récupérer. Pourquoi je peux pas... Ah, je peux pas lui donner à lui. Il est bloqué. Je peux pas l'avoir. Alors, il va encore y avoir une intervention d'un personnage qui va sauver la situation.
Oh, j'ai assez esquivé son attaque. Et où? Je vois plus rien. Ouais, j'arrive à aller le voir. J'ai pas une queue de phénix ou quelque chose dans le genre. Ouais, queue de phénix, impeccable. Ah, je peux pas l'utiliser. Voilà, faut peut-être que je sois à côté. Ah, il est trop puissant, je peux rien faire. Oui. Donc bah, pour la première vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là. Une heure 10 de vidéo, c'est déjà pas mal. Alors, ce jeu promet vraiment, ça va être le top de jouer à ce jeu-là. Alors, j'espère que ça vous a autant plu que moi. Franchement, je l'attends franchement qu'il sorte au mois de novembre. Je crois que s'il y a possibilité, je vais déjà le précommander. Et au moins, je serai sûr de l'avoir. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de cet épisode. C'était Maras Maxi. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao !